Mais c'est dit, on lance tout de suite. C'est tout de suite. Est-ce que j'ai assez? Ah bah j'ai assez. On va voir ce que ça donne. Voilà, on a donné des sous à Mitas. On va voir ce que ça fait. Oh, ta générosité est admirable. La moitié de ce montant aurait fait l'affaire. Tu ne sais vraiment pas négocier, pas vrai? Tu es libre d'utiliser la pluie comme il te plaira. La fortune nous aura avec toi. Vas-y, je donne. Oh, 350 quand même. Revenez en 3 jours. Ok, let's go. J'ai eu trouble. Niveau bouffe, ça commence à être un peu limite, donc je vais repêcher un chouille. Et... alors je pense que je vais tout acheter là. Voilà, comme ça je débloque tout. Ah mais c'est joli un petit étang. Oh, on va trop le construire. On va construire un étang. J'adore les étangs. Il était temps. Pardon. Et voilà, on a tout acheté ici. Ouais. Dans tous les jeux auxquels je joue, je pêche. Sauf qu'il n'y a pas de pêche sur Elden Ring. C'est ça qui fera que c'est pas le meilleur jeu. Hein. J'adore ton jeu de mots. Merci. Il est approuvé by Grisou. Du coup, ça veut dire qu'il est génial. Ah mais attendez, j'avais un truc à faire avec ceux qui étaient dedans, je crois. J'avais pas un truc à faire avec eux? Qui dort le pêcheur? Quelque chose cloche chez lui, on dirait presque que c'est un... ah mais non, c'est une occasion. Ah ouais? Peut-être qu'il faut que je parle au pêcheur. Apparemment vous êtes chelou, monsieur. Je vais acheter. Mais je veux pas acheter, je veux vendre. Quoique non, je suis faisant. Je valide avec validation. Est-ce que tu valides la validation? De l'herbe. Super. Allez, encore deux. Oh, trois minuscules poissons. Et encore trois. Et encore deux. Encore un. Encore un après. Un d'air après. Je valide la validation avec la validation de la validation. Du coup, vous donnez une approbation positive à la validation, quoi. Qui valide. Ok, on se casse. Et vu que je suis à faire dodo, eh ben très bonne nuit. C'est une bonne idée, je devrais faire pareil, mais pas tout de suite. Des zoubis, petit cromlèche. Merci d'être passé. Alors... ouais, je pense que je vais pouvoir faire à bouffer. Et voilà. Alors, ah bah j'ai des plats bien là. Ah mais ça augmente la fidélité. Oh bon, remarque, c'est pas fait mal. Moi je dis ok. J'avais oublié. C'est des plats qui nécessitent patience. Il y a une araignée qui est partie avec ma thune. Regardez, les araignées, elles arrivent à me voler mes thunes.
Les araignées voleuses de thunes. J'ai pas raté. Bon. Ah mince. Attendez, faut que je construise ça. Bon, j'ai pas fini. Voilà. Attendez, du caca. C'est bon. Ensuite. Faut que je reconstruise un truc de bûcheron. Et que je l'améliore après. Mais ça, ils vont le faire. C'est bon, hein. Voilà. Ensuite. J'ai plus beaucoup de graines, hein. Dis donc. Eh, faut construire ça, s'il vous plaît. Elles avaient commencé. D'accord, je l'améliore et puis c'est bon, on pourra faire d'autres trucs. Y'a quelqu'un qui veut me parler, je crois. Ah, c'est Oxley. Cynthia ! Des créatures âgées ont été chassées hors culte. Ah, j'accepte à chaque fois, mais je l'ai fait à mon rythme. Et on va l'améliorer. Voilà. Là, c'est tout bon. On fait un dernier truc de un petit sermon. Et on se tire. On va pouvoir partir en mission encore. Arrêtez de vous embrouiller entre modos dans le chat. Arrêtez d'embêter Trapil. Oh regardez, Infernalo et Grisio, ils s'engueulent à moitié. Et après ils repartent heureux quand même. Trapil, il est tout foufou. Vous avez résurrecté le Diox. Incroyable. Il y en a certains qui commencent à avoir des niveaux intéressants. Le modo se chaude. Oui, il se chaude. J'ai une chute, je l'ai lu n'importe comment. Les modos se chaude. Chahute, lox, merda. Voilà. Ça c'est bien ça, ça me donne des sous, ça j'aime bien ça. Oui, non mais c'est... Je l'ai mal lu, hein, c'est pas... T'inquiète, c'est pas de ta faute. On aurait pu faire un effort. Hop, voilà, nouveau niveau. Ça c'est cool, ça c'est cool. Allez, là, je vais écouter les chimères aussi. Ça, ça va être un sacrifice, ça. Hein. Pas déconner. Hein. Ah, ça veut pas descendre. Bah, on va écouter... on va écouter les... Les confessions de Jux qui vient juste de ressusciter. Allez, confie-toi, pourquoi on te reverrait pas dans la tombe, mec? Ok. Ah, mais non, c'est fait. Ok. Bon, c'est bien, c'est bien. Je pense que je vais par contre envoyer en mission quelqu'un
Pour aller chercher de la nourriture. Qui peut aller chercher de la bouffe? Alors de la viande par exemple, 94%, c'est pas mal. Pas mal. Bah, je vais envoyer lui parce que au pire s'il revient mort, c'est pas grave. Parce que j'ai déjà des cœurs bonus. Ok. Je vais du coup embarquer avec moi du monde. Ouais, niveau 5, niveau 5, niveau 16, bah, évidemment on le prend. Parce que bon, on va retourner dans le donjon. Je sais pas l'orthographe, mais moi je suis même pas sûr non plus en vrai. Pas entre moto, madame streameuse, elle panique. Non, c'est pour te défendre toi, espèce de nulos. Et du coup, je dirais rien. Allez-y, foutez-lui en plein la gueule. Effectivement, il n'avait rien compris. Oh, c'est bien. Hein. Défaut, le plus vieux de mes modos et le plus ancestral. Et il me dit quoi? Ça fait peur qu'on discute, hein. Censure, hein. Du coup, voilà. Je ferai plus. Bordel. Honteux. Peut-être Max, est-ce que je t'ai inspiré aujourd'hui? Oui. C'est bien, je suis ravie. X, est-ce que je t'ai inspiré aujourd'hui? Oui, c'est très bien. Oxley, est-ce que je t'ai inspiré aujourd'hui? Non. Pécan, péan, pas pécan. Non mais ça se passait au niveau. Automatiquement la... Ah on va reprendre ça, on va prendre un truc qui récupère la ferveur parce que j'en suis bien. Let's go, on a du monde, on va pouvoir partir en mission. Je fais un petit plat ou deux en plus. Ils sont pas chiants et puis voilà. On fait niveau plat hein. Voilà. Allez let's go. Nanana. Bon bah faut qu'on tourne là-bas parce qu'il faut qu'on tue le boss de ce truc là. Alors, projectile explosif. Petit épée, j'ai pas vu ce qu'elle fait. Oh. On se rendra compte. En tout cas c'est rapide ça. On va tuer un autre gameplay. Hein. Ah oui ça explose de partout. Un peu plus de mobilité, mais je fais forcément. Le coup fait beaucoup moins mal. Vraiment. De bouffe moi même si je sais pas si c'est le meilleur truc qu'ils soit. Je mange vraiment jamais de chou-fleur jamais. Non pas toi, laisse moi tranquille. Mmh.
Attendez, on va mettre comme ça. Pardonnez-moi. Ah voilà, ils vont me buter là. Trappy, là y est, Trappy veut me taper. Ça dégoûte. Voilà, j'ai tué deux de mes adeptes, fait chier. Rapid nous a quittés. Avec le fiction, un peur de la mort. Enfin, un peur de la mort. Non, mais arrêtez d'avoir peur là! Merde. Qu'est-ce que c'est ça? Chlou. Qu'est-ce que tu regardes? On va mettre un petit. Qu'est-ce que tu regardes, toi? Chlou. Les portes couronnes sont tous les mêmes. Vous n'êtes rien. On va faire vos petits adeptes. Anto n'était pas là. Il est resté fidèle à lui-même. Tu ne seras jamais à la hauteur. Hors de ma vue, je suis en route pour gagner une tonne d'argent aux Osteaks. Viens jouer contre moi si tu veux relever un véritable défi. Papy s'est fait torpiller, oui. Ah, il a fait un CSC, hein. J'ai dû sévir. T'es pété ta maison, mec. Nulos. Il y est couvert de soie, l'araignée. Super. Chlou. C'est ça que multiplié par 1,25 permet de revenir à la vie avec un cœur. Allez, je prends le pacte, je vais tester. Même si en vrai, je meurs jamais. Comme dans la vraie vie, je meurs jamais dans la vraie vie. Merde. Ok, Cassos. Ça me donne des cœurs. Bon, d'accord. Ah oui, c'est vrai, je peux avoir des cœurs, mais j'en ai pas besoin en fait. Un peu triste. Ah si, par contre, un cœur bleu, je veux bien. Non, mais un cœur bleu, je peux pas le prendre. La musique est trop belle ici. Ah, donne-moi les cœurs bleus là. Là, il y a un cœur bleu là-bas, je peux pas le prendre. Oxlès rebelle. Merde, Oxlès rebelle. Faut que je me dépêche. Ah.
Mais c'est peut-être mieux ce que j'avais avant en vrai. Là je pousse ça mais j'aurais dû garder ce que j'avais avant. Allez là! Mais sérieux, elle était gelée au sol, mais vu qu'elle était en animation, je pouvais pas. Bon, faut que je me dépêche, parce qu'en vrai, là, ça se rebelle un max dans le camp, là. Les démons, on dirait, ils servent à Foy. Moins de ferveur. Ouais, ça, je peux tous les buter. Ça donne un peu des trucs. Bon, betterave. Plein de betterave. Sortir. Qu'est-ce que c'est? Une offrande? Oui, bien sûr. La statue bestiale. Attendez, on va mettre un petit ferme. La statue bestiale réclame de l'or. Ça tremble. D'accord. La statue bestiale vous récompense de 7 pièces d'or. Ok, je peux avoir. C'est pas grave, elle donne des sous. Ah, ça tremble à chaque fois. J'entends. Bon, mais c'est pas grave, hein. Je me tire.
Riche comme l'Oxili. Ouah, c'est pas du moins. Riche comme un agneau, je dirais. Les animations par contre ça nique un peu, enfin c'est difficile de s'y retrouver, souvent je galère. Et je change de pouvoir en fait, j'aurais dû garder celui que j'avais, il était très bien, je sais pas pourquoi j'ai changé. Là il est pas dingue hein. Quoi-tu ? Eh oh, sors hein ! Je suis en vie, ouais. Mais là, y'en a un qui se rebelle, là, faut que je rentre vite. Le bordel. Mimir. Mais d'accord, mais c'est ton niveau quoi. Je vais une autre arme secondaire. Oh non, pas ça. Ouais, ça. Ouais, ça sera mieux. Ah mince, il faut que j'aille là. C'est ce stray. J'avoue que les gros yeux et les XL. On peut retourner le vide. Ah ouais? Les gros yeux. Qu'est-ce que t'appelles les gros yeux? Tu veux dire alors les œufs? Je me rappelle plus. Ah non, les gros yeux, oui, pardon. Je me rappelle, excuse-moi. Ah oui, c'est vrai? Ça t'a écœuré? C'est marrant. Ah, j'ai. La caméra. Non, c'est qu'à un moment, il y a effectivement des gros yeux. Dans une sorte de. En intérieur, là, dans. Je sais plus. Non, à un moment, t'as vraiment des sortes de parois en yeux, je crois. Enfin, je sais pas trop comment expliquer, mais oui. J'avais un peu oublié parce que t'en vois pas trop, il me semble. Je sais plus, en fait. J'ai un peu oublié parce que j'ai un petit peu. Cette partie-là du jeu, je l'avais faite il y a plusieurs mois et j'ai fini début de ce mois-ci. Plutôt ça. Bon, immunité supplémentaire, moi je veux bien. Immunité au poison. Dans les égouts, ouais, je me rappelle. Les yeux qui vont avec les œufs, je suis pas fan. Ah ouais, d'accord. Ah bah zut. En tout cas, je me rappelle surtout la dernière partie du jeu et t'as plus trop ça. Mais voilà, je me rappelle plus combien de temps ça représente de jeu, quoi. Des yeux comme ça. Exactement, Trapil. En forme d'oiseau qui donne des cœurs. Faut que je prenne ça. Non mais stop, il manque un coup à chaque fois là, c'est chiant. Oh là là, galérer juste parce qu'il manque un tout petit bout de fourchette là, un tout petit coup de fourchette, je veux dire. Pour qu'il puisse crever là, il en manque une pige nette, mais il te spam quand même.
Ça va vous sinon, à part que je suis re-envie ? Oui, ça va, ça va. Mais là, j'ai quelqu'un qui me rebelle dans mon camp, là. Chien. Trop chien. Sinon, bah, hier, j'ai refait jusqu'à super tard. Et voilà. Sacrifice équité, mort de vieillesse, oui. Faut que je finisse vite. Allez, on se casse, on se casse, on se casse, on n'a pas le time. Merde, je perds trop des cœurs là. Voilà, là il manque un Pouyem. Lui aussi il manque R, aussi. Un projectile qui a la chance de posséder des ennemis, c'est de la merde les trucs de possession. C'est vraiment de la merde. Moi je prends pas. Ça t'empêche plus de tuer le mob qu'autre chose. Parce que bah... Parce que bah tant qu'il est possédé, tu peux pas le toucher. Ni le tuer. Parce que c'est ton pote. Bordel! J'ai vraiment crevé moi! Bon, j'ai des trucs qui me permettent de raise, mais ça va pas être fou quoi. Oh, ça je prends! Horace! Ah, il va me tuer! Et voilà, c'est déjà très bien. J'ai pas de force, j'ai pas de portée, c'est chaud. Non, il m'a buté. Bon, je vais ressusciter normalement. Je pensais pas que ça me servirait ce truc. Je vois plus sa vie au mob, c'est parfait. Il a plus de vie en fait là. Là je sais pas. Je vois pas sa vie. Là. Ah, c'était sur le fil, hein. Des betteraves et des sous. Ah vache! C'est officiel, c'est l'Ox la meilleure. Oh ça on le savait. Merci! Elle m'invoque au pire moment. Mais j'ai pas invoqué, c'est le. Ah oh, mais tu comprends rien, c'est le démon qui a invoqué deux adeptes, qui les a possédés, du coup ils ont essayé de me tuer. En fait, ton verre, ouais, la verre chou. Bon, normalement on met pas dedans, hein, je sais, mais bon... Oh, mais j'ai trop plein de gens qui sont morts, là. Allez, la bouffe. Merde. Statue taillée dans le web, hein. Bah super, hein, merci, hein. Bon, bah toi... Panthère. Ah bah vous revenez à la vie, mes striki, ça marche, merci, hein. Mais attendez là, j'ai plein de trucs à faire là. Un autre qui est mort là-bas. Oh, il est vénère. Oh ouais, non mais ma foi, y'a rien qui va. Attendez.
est tout pourri. Oxley là. Mais elle s'en va. Elle s'en va. J'ai un adepte qui est parti. J'avais jamais eu ça de ma vie. Incroyable. Ils sont insup ces adeptes. Et c'est à toi. Putain j'ai torché. Bon, je peux voler. Merde. Bon, on va faire un petit sermon là. Aimez-moi, wesh. Volte pas, hein. Ok, je vais refaire à bouffer. Ah bah ça va mieux en fait là. Plus personne sur Belle là, c'est bon, vous avez fini de faire chier là. Sacrifié de rapide, c'est compréhensible et sans doute une bonne idée, j'adore. J'aime bien Trappy qui dit ça. Non, non, c'est pas le projet. On sacrifie les vieux nous. Et là, Trapide, bah t'es tout jeune, mais là, en vrai, t'es mort parce que bah t'as été possédé par une entité qui, du coup, m'a fait te tuer. Voilà. Tu fais mon amour avec tout ça? Je fais de la meuh. C'est bon, c'est tout propre? Non, on va quand même récolter. Oh vache, tout ce que ça donne. Ah ! Reviens avec de la bouffe. Parfait. Pas de dos. Bon, on va augmenter la fidélité parce qu'apparemment c'est pas ça. Ah non, toi c'est bon. Oui, 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 d'accord. On va faire une petite confession aussi. Et après on ira affronter là l'autre aux osselets là. Il m'a saoulé lui. On n'en est pas beaucoup en fait. Du coup, on va ressusciter si on peut.
On est que 10. C'est pas énorme. Bah se renter. Ça fait longtemps. Let's go. Là on est 11, ça va. Is ok. On va faire avec. Juste un petit plat bien. Je viens. Attends, je t'ai dit bonjour. Bah, elle va prendre ses confessions aussi. Je pense qu'elle va tout de suite prendre un level de fidélité, je pense. On va voir. Et voilà, level up. Trop bien. Y'a quel âge ton perso? Attends, je vais te dire ça. Je sais plus où voir ça. Oh, j'ai plein de quêtes. Bah je sais pas, quand on ira en mission je te dirai. Quand je te sélectionne. Ah oui c'est ça. Faut que je fasse genre je vais faire un rituel. Genre rituel de... De combat. Il a 127 ans. Voilà. Les collants thermiques pour hommes cet hiver, ça peut servir. Ouais, complètement. Ça aussi, je veux m'en prendre. Ça aussi, ouais. Ouais quand même, ouais hein. Et puis il meurt plus jamais hein. Je pense vraiment qu'au bout d'un certain level de fidélité, il meurt plus. Donc on va essayer d'atteindre ce level avec d'autres. Enfin, c'était compliqué mais ça va mieux. On va aller défoncer à gueule à l'autre aux Ouslèmes avant je prends mes sous. Ah oui non, faut que je fasse du bois. Faut que je construise un truc à bois. Et à Pierre. Et oui, les deux. Et tout de suite, on l'améliore. On va mettre un niveau 2 pour la pierre aussi, comme ça tout sera au niveau 2. Et du coup, bah, je vais aller faire des trucs, on va aller jouer au sleigh. Let's go. C'est la cabane solitaire. On va aux osselets. On s'en fout vraiment, comment ça va? Louche. Let's go. Attends. J'ai pas pu parier.
Donc je sais pas si j'aurai une récompense si je gagne. Bon, ça va être chaud, hein. C'est de merde pour le moment ce que j'ai. C'est vraiment pas terrible ce que j'ai. Bim. Merde. Et dégage. Ah bah tiens. Ça va être long, ça va être long. C'est qui a gagné avec 73? Ah oui, vous voyez pas mon score, j'ai 73. Chlou, 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 chlou. Ouais, une carte. Remplis progressivement la jauge de ferveur, c'est bien ça. C'est officiel, c'est là que c'est la meilleure. Oh ça, on le savait. J'avoue. On va refaire une, je suis trop forte. On va miser 50. Je suis une dingue. J'ai peur de R, moi. C'est Shroomy qui commence. Mais vous voyez pas ce que j'ai à chaque fois? C'est chiant, non? Peut-être me déplacer, moi. Il aura fallu attendre l'une des dernières soirées sur le jeu pour que je déplace enfin ma cam. Ok, le cadre? Ouais. Ouais, des os, hein. Tu nous apprendras à gagner avec autant de charisme. Ah, c'est chaud. C'est risqué. C'est con là, je me condamne. Bon, on verra. Je me condamne en 6. C'est un petit peu long. Parti, c'est quand même un petit peu long. Franchement, deux, je m'en fous. Mettre là. J'ai gagné. Avec seulement 5 dés. J'ai gagné. Et voilà la moula. À boule la moula. Look, look. Désolé, je fonçais dans le mur. Il m'a mis mon cadre, mais c'est pas grave.
Anna Yakalana. Ah là là. Il reste des graines au moins, oui. Bon. Voilà qu'on retourne dans la teugro. À manger comme d'hab avant. Ok. C'est qui loul ? Comment ça va ? Pardon, ils sont fatigués de rien faire. Oui. En plus, regardez, je leur fais des petites maisons et ils dorment dehors. Du foutage de gueule, hein. Ils ont toujours pas avancé là-dessus. Eh bé. Se veille, tout est... Oui, c'est pas ça va. On approche de la fin du jeu, je pense. On a plein de choses à faire. Oh non, pas tant que ça, en fait. Ajouter une petite déco, et puis voilà, quoi. Ah, j'ai plein... Ah oui, l'étang. J'avais dit que je mettrais un étang. Oh, trop sublime, quoi. Je vais mettre à côté des water. Ou alors ici. Sympa au centre. Oh, j'adore cet étang. Ici. Bien. Hop là, je vais venir un peu tout le monde. Inspirer, pardon. Et et on va on va partir en mission. Aussi, j'ai mangé un plat. Attends, laisse-moi t'inspirer, Jax. Contribution. Attends, on dirait ma femme. Laisse-moi t'inspirer. Laisse-moi t'inspirer là. Les petits caca direct quoi. Jamais qu'il y en ait qui voient ce que là, du monde qui prie, c'est super. Qui grise ou par exemple. Un mec qui aille faire les trucs de. Ah, raffineur, voilà. Personne fait ça. Je vais voir si je peux en vaillanter. Oula, il y en a un qui se vénère là. Et celui-ci, il y a de max. Je vais lui faire un. Je sais pas, il a l'air de s'énerver, je vais faire ça. On va faire une petite confession là. Mmh.
Ah oui, bah Royal et Envy Surfman, c'était mes tout premiers de ma chaîne. Un peu Envy. Royal Surfman, je crois. Effectivement. Bah c'est les poteaux quoi. Au tout début. Mais j'avais aussi des anciens viewers de la chaîne Nivenlox d'avant. Mais pour la plupart ils passent plus, ou alors juste un Fair Farm qui passe quand même une fois de temps en temps. Mais voilà quoi. Voilà. Bon, j'inspire un peu tout le monde là, je pense. Petit sermon. Et voilà. Et puis là, on va pouvoir partir. Au moins, je m'assure qu'ils soient tous à peu près contents. Parce que je veux pas qu'il y ait encore une guerre civile quand j'arrive là. Avec des adeptes qui s'envoient du caca. J'ai pas envie, non. C'est pas ma guerre. Du coup, je vais refaire un ou deux plats et puis ce sera parfait. 4, c'est bien. Ah, on va prendre un petit mestriki qui va me donner des cœurs. Ça, c'est bien. Ensuite. Même il n'y a pas si longtemps que ça, un truc, il y a un petit mois, bon ça fait un petit moment quand même, mais... Et bon, je pense que voilà, ça va être de temps à autre, quoi. Non, je prendrais bien un qui fait de la ferveur. Il n'y a pas du Gaëtan depuis 3 ans. Non, il est repassé, mais... Effectivement, maintenant, c'est extrêmement rare qu'on le voit. Mais il est repassé cette année à quelques rares occasions. Donc, c'est pas définitivement mort, tu vois. Mais oui, mais d'ailleurs... D'ailleurs, c'était un multi-lundi, multi-crudi où il était là. Oh non, il va encore me tuer des gens, là, pitié. Les cinq ne sont plus. Ils ne sont plus rien du tout. Je n'échapperai pas à mon devoir envers mes frères et ma sœur. Mon temps, le matin. Oh, ça y est, c'est parti. Je t'ai pas, désolé. Si t'étais en vocal et t'as pas dû faire gaffe, mais il a parlé alors que t'étais dans le chat à un moment. Mais c'est pas grave. Bah, les gourous qui montrent exemple. Si je joue avec le caca, c'est que t'as fauté. Non, mais j'y peux rien quand je suis pas là, ils font un wack. Pas ma faute, hein. Merde, je fais n'importe quoi. Oh les deux me donnent trop envie. Ah mais la roulade quand même. Infliger des dégâts quand on roule, c'est si bien pratique. Ah
encore, tu me saoules. Je ne t'en fais pas, jeune avion. J'ai beau avoir le couteau sous la gorge, je n'échangerai mon place pour rien au monde. Il est temps de mettre en terme à cette triste histoire. Il attend à la pointe d'une lame aiguisée. Il attend dans l'œil d'une tempête furieuse. Terme d'un long périple incertain. On ne peut lui échapper. Il me laisse pas faire mes missions, enfin faire mon donjon tranquille. Il peut pas s'empêcher de taper à discuter avec moi toutes les 20 secondes. C'est un boss, mais il se sent seul, quoi. Oh, je vois rien. J'entends rien aussi. C'est fort un peu, non? Oh, ça va, il est ok. Ils sont trop chiants et puis ce pouvoir est nul là. Voilà, là il était possédé, je pouvais pas le taper. J'ai un autre pouvoir spondeur, là, il est trop nul celui-là. Mais toi, t'es mort, toi. Ah! Ouais, je pense que celle-là, c'est pas mal. Je peux pas aller jusqu'au bout, je pense. Si je peux rentrer plus tôt, je rentrerai. Mais là, c'est du bruit. Ça se passe pas mal. Ah bah, je peux, en fait. Du bois, ouf. Officiel, c'est l'Ox la meilleure. Oh, ça on le savait. On m'a retient, hein. Allez! What? C'est vous ça, non? Les bombes partout? Venga. Oh merde. Oh merci. Mais est-ce que je peux le tuer lui? D'accord.
Bon allez, reviens là-bas parce qu'il y a sûrement une truc. Voilà. Oh! Oui d'accord mais... Pas dingue mais bon. Ça pioche, ça fait, ça fait! Et salut à toi Alcaline! Attends, je te dis, Infernalou. Ma femme ce matin voit un papier sur mon bureau, sur le bureau. Elle vient me voir. C'est quoi FQ256? J'ai pas le... J'ai pas ses numéros de tennis. Ah c'est bon maintenant, je me rappelle. Attends, tu vois. Oui, c'est le numéro de mon pacte, de mon personnage RP. Comme ça, bah, dès que j'en ai besoin, il me le donne vie. C'est incroyable. Ah, c'est trop drôle. Oh pardon, il y a tellement de trucs sur le chat que j'ai pas vu. Info ou un... Aïe. J'ai mal à ma mimi. Info ou un tout. J'avais déjà eu je crois, mais dans le loot je l'ai dit. Parce que flemme de chercher. Info ou un tox. Il existe une mer se situant sous le niveau de la mer. Ouais c'est méta ça. Info, intox. Ouh là, c'est dissipi. Donc ce terrain se dissipait. Je vous dis ça dans quelques instants. Une meilleure arme secondaire, s'il vous plaît. Oui, ça. Parce que je n'aime pas du tout celle-là. Elle est tachée. Alors. Info ou intox, il existe des mers même, en plus. Des mers se situant sous le niveau de la mer. Apparemment, c'est une info. La mer morte se situe à plus de 400 mètres en dessous du niveau de la mer. Voilà. Voilà, voilà. N'importe qui jure. Il y a marqué espionne aussi. Ah bah ils ont donné qu'un seul exemple. Mais c'est vrai qu'il y avait écrit en fait pas l'âme, une mère, mais des mères. Donc. Bah c'est intéressant. Bon bah en fait je vais y aller mais bon je sais pas trop. Si vous voulez il y a une deuxième. Les pyramides de Gizeh, Khéops, Khéphren et Mykérinos ont été construites par des esclaves juifs. Info ou intox. Désolé hein, si c'est... J'espère que c'est... Voilà. C'est de l'histoire. J'ai dit le mot esclave parce que c'est de l'histoire. Me censurez pas, Twitch, s'il vous plaît. Je sais pas à quel point tout est vénère maintenant. Ah oui, c'est ça que j'ai maintenant. J'avais oublié. Oh, j'ai fait du crit à mort. Oh, il est trop deg. Oh, c'est bien. Ça passe bien. Ah. Ah ouais, ça j'aime bien ça. Même si je préfère l'épée de base en vrai. Mais... L'épée vanilla. Il y a un tox aussi, un tox, ok. Bah la première c'était une info en tout cas. Avant. Mais ça veut rien dire. Je vous dis ça après la salle.
Moi en vrai je sais pas, mais je dirais un top. De toute façon, la manière dont faut poser les questions à chaque fois, on sait si c'est une info ou une intox. Parce que les infos, c'est souvent des trucs qu'on pense vrais et qui en sont en fait faux. Et les intox, c'est souvent des trucs qu'on pense faux et qui sont en fait vrais. Enfin bref, non, vous avez compris. Et les trucs qu'on pense vrais qui sont en fait faux. Là, j'ai dit deux fois la même phrase. Je m'embrouille un peu. Mince, ça dit que je devais vous répondre maintenant. J'ai pas répondu. Merde, pas. Oh, ah putain, je me voyais pas. Mais bordel, je vois rien entre toi qui me suivent. Oh, trop chiant. Alors. Ah, c'est une intox. Les premiers royaumes israélites datent de près d'un siècle après la construction des pyramides de Gizeh. Voilà. Après, en vrai... Est-ce que c'est pas simplement une histoire d'appellation? On dirait un petit peu, hein. Ah, trop chiant, lui. Oh, faut que je le bute. Trop chiant. Je voulais faire un truc vite, mais voilà, je... Oh non, je pensais pas qu'il allait faire. Oh, Mickey, merci. On va revenir en arrière parce que je pense que... Il y a une petite carte que j'ai loupée là-haut. C'est trop bien ça. Prends ça. Merci pour vos co-trips. Bon, je me tire. J'en fous de la petite PO là. Il est dissipé, Trapil. J'ai pas assez de vie, je vais sûrement mourir. On verra. Il est stylé, hein. J'ai essayé de partir, mais je pouvais pas, j'étais dans une anime. J'ai pris un dégât tout de suite en essayant de me taper. Ça fait trop mal. Mon pouvoir lui fait trop mal.
Je l'ai défoncé avec mon pouvoir. Il était trop, trop puissant. Beaucoup trop puissant. Je pensais qu'il allait manger. Non, il a pas mangé. Bonne nuit et bon week-end, all. Des bisous, petit dissipé. Merci. Merci à Fernelou. C'était presque aussi dur que Mog. Dante. Oh, je l'ai enfin fait, Mog. C'est officiel. C'est là que c'est la meilleure. Oh, ça, on un petit ourson. Morsu. On va tout péter au cas où on chope des trucs intéressants. On va partir. Et on aura sûrement une petite cinématique. Et puis la prochaine fois, on pourra faire le dernier, la fin. Hérétique vaincu! Alors, lui, il a une voix compliquée. C'est moi, se croyait sage, mais il était faible. Comme les autres. Contrairement à moi, sa vision était bien trop limitée pour voir le monde tel qu'il est vraiment. Le temps est venu de me libérer. Quel plus grand honneur pour toi que de restituer la couronne rouge à son véritable propriétaire. Je dois admettre que tu l'as portée presque aussi bien que moi. Mes chocolats dans le paquet d'avis. Que partage-moi le l'agneau créature. Mince, je vais mettre une voix. Faire là. Et je vais envoyer mes petites bébêtes aussi faire dodo. Ceux qui m'ont accompagné. Petite résurrection en même temps de petit Dan. Let's go. Merci. Merci beaucoup. Et puis voilà, on va faire tout plein à bouffer. On va faire à bouffer avant de partir quand même. Ah, je fais de la charte d'adepte, merde. Je peux pas spécialement faire ça. Let's go tout manger. Temps là, j'aime trop. Oh, c'est long. Tout ce que je récolte. Vache. Mmh.
Voilà. C'est bon, j'ai refait le stock, tout le monde va bien, tout le monde est heureux, on va arrêter la VOD là-dessus, des bisous VODR!